Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui ai le bonheur d'animer cette entrevue spéciale avec vous. Donc les jeunes qui nous écoutent, comme vous le savez initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explos, c'est des stages d'une journée en milieu de travail pour te permettre d'explorer concrètement le métier ou la profession qui t'intéresse afin de t'aider dans ton choix scolaire et professionnel. Malheureusement, en raison de la COVID, c'est pas possible d'aller explorer sur le marché du travail, mais on a mis sur pied tout de même le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon l'exploration. Donc aujourd'hui à Jeunes Explos, on est super content d'accueillir Johan Pépin qui est archéologue. Bonjour Monsieur Pépin. Bonjour tout le monde. Bonjour Audrey. Donc, d'abord, un grand merci là, d'être connecté avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. La profession d'archéologue suscite normalement beaucoup de questions, puis c'est une profession aussi qui est extrêmement populaire auprès des jeunes. Alors, je suis sûre que ça sera une belle rencontre. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous dire brièvement pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes et de participer au projet « Je m'oriente en l'air » Ah, ben c'est une bonne question. Moi, je trouve ça important parce que les jeunes, c'est un peu, bon, vous qui êtes les futurs décideurs de notre société, c'est un peu vous qui allez construire ce qui va être demain. Puis l'archéologie, c'est important pour prendre les bonnes décisions parce que en comprenant un peu ce qu'on a fait dans le passé, le résultat que ça a donné aujourd'hui, ben vous allez pouvoir dire, OK, ça, c'était bien, on va le refaire, ou bien ça, c'était pas super une bonne idée, fait qu'on le refera plus. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, l'archéologie, c'est pour ça. Excellent. Et puis, pouvez-vous nous dire où vous travaillez comme archéologue? Quel est votre environnement de travail? OK, hey, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est très varié, en fait. L'archéologie, faut comprendre que c'est une science. C'est un peu comme dire, bon, moi, je suis géologue, moi, je suis biologiste. Hein, on est des scientifiques, fait qu'on peut travailler à plusieurs endroits très différents. Tu sais, je peux travailler dans un bureau, je peux travailler dans un laboratoire, on peut travailler sur le terrain, dans la forêt, dans les villes, même en dessous de l'eau. Hein, j'ai des amis qui plongent en dessous de l'eau pour creuser les anciennes épaves. Donc, ça peut être très varié. C'est pour ça que c'est important de dire, bon, OK, en archéologie, il y a plusieurs emplois possibles. Donc, c'est pour ça. Mais bon, notre environnement de travail, je vous dirais, il va sur le terrain. Principalement, là, sur le terrain, on collecte beaucoup d'informations. Après ça, dans les laboratoires, puis beaucoup, beaucoup devant notre ordinateur aussi. Puis pourquoi c'est important la technologie dans votre travail? Pourquoi est-ce que vous travaillez devant l'ordinateur, justement? Oui, bien, bonne question. L'ordinateur, ça nous sert beaucoup à écrire. Ça nous sert beaucoup à, par exemple, faire des cartes. Ça nous sert à utiliser les archéologues, nous, on essaie d'utiliser beaucoup, beaucoup de technologies différentes. Il y a des amis à l'université en ce moment, c'est assez intéressant ce qu'ils font, sont en train de construire un logiciel, c'est de l'intelligence artificielle en fait, qui va analyser des objets à partir de photographies. Donc, c'est un peu, ils sont en train de voir si ça fonctionne, fait que là, ils vont avoir à faire des tests avec l'ordinateur. Mais ça va permettre, par exemple, d'analyser des objets qui sont, par exemple, au Pérou, au Mexique, qu'on peut pas avoir dans nos mains. T'sais. Fait qu'ils vont utiliser des logiciels informatiques d'intelligence artificielle pour aller comprendre les objets. Fait que ça, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi faire des cartes, par exemple, avec du matériel de... Ben nous, on appelle ça du GIS. Là, c'est du matériel de photos satellites qui vont référencier des sites, qui vont faire des cartes aussi. On peut utiliser des logiciels pour écouter. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup... L'archéologue, il écrit principalement. C'est ça qui fait de mon goût. En tout cas, un gros pourcentage de son travail, c'est de l'écriture. Hein. Je veux pas vous faire peur, là, mais ouais. Mais c'est un élément important à considérer pour les jeunes qui nous écoutent, parce que c'est pas nécessairement une activité à laquelle on pense. L'écriture,
quand on pense à la profession d'archéologue, donc c'est intéressant d'en apprendre plus par rapport à ça. On a brièvement effleuré les outils que vous utilisez. Est-ce que vous en avez, par exemple, avec vous à nous présenter? J'en ai, écoute, je suis pris un peu au dépourvu, j'ai apporté mon sac un peu d'archéologue. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Oui, parfait, OK. J'ai apporté un sac d'archéologue, mais écoute, moi je vais avoir une question pour toi, puis un petit quiz aussi à la maison pour ceux qui veulent participer. Super. Je vais vous montrer des outils, mais écoutez, il y a beaucoup d'outils en archéologie, là. On utilise énormément d'outils différents. Mais moi, je vais vous demander, c'est quoi les deux objets que si je ne les ai pas avec moi, je ne peux pas faire d'archéologie? Il y a deux objets dans tout le monde que si je vais sur le terrain, okay, par exemple dans la forêt ou en ville ou à Montréal, si je n'ai pas ces deux objets-là, je ne pourrai jamais faire de l'archéologie. Donc, pensez à ça. Puis à la fin de la rencontre, ben je vous dirai la réponse. Très bien. OK. Ben, écoutez, très important, il y a la trousse de premiers soins. Ah oui. Je vais jamais faire en ça. Oui, oui. Comme un petit coffre au trésor. Bon. Il y a la truelle. On connaît tous la truelle. Pourquoi ça va bien la truelle? Parce que ça permet de creuser le sol sans déplacer les objets qu'on trouve. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que ça va très bien. En fait, nous, on essaie de pas déplacer les objets, de tout laisser en place. C'est comme une scène de crime qu'on essaie de découvrir, mais sans déplacer. Fait que nous, c'est on un comprend bel exemple. C'est ouais. Mais en fait, les archéologues, ils travaillent parfois pour la police pour aider à résoudre des crimes très anciens. OK. Ça arrive, là. On appelle ça de l'anthropologie judiciaire. Des archéologues qui étudient des scènes de crime comme un site archéologique. Puis il y a des livres, il y a Cathy Reich, une écrivaine qui a travaillé à Montréal beaucoup, qui a écrit des livres là. Puis elle, ses livres, c'est des romans policiers, c'est très très bon. Cathy Reich, en fait, moi je le recommande. Bon, est-ce que vous savez c'est quoi ça? Moi ça me dit rien, non? Non hein? Ça on appelle ça un pied de roi. En fait, c'est une règle. Je vais l'approcher. Oui. En fait, c'est une règle pour mesurer, hein, parce que nous, on mesure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque chose qu'on trouve, on l'écrit sur un plan. Okay? Puis, je vais vous montrer. Attendez-moi juste une petite seconde. Okay? Okay. Ah. Bon. Ça, c'est un exemple de livre d'archéologue. Vous voyez? Donc, je fais sur le terrain. Je l'écris, je dessine, je prends des notes, je mesure. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un pied de roi pour dire « Ah, j'ai trouvé cet objet à 3 centimètres de l'autre. Est-ce que ça veut dire quelque chose? » Donc, ça prend quand même un esprit assez analytique. Ça prend de la minutie aussi parce que on veut pas déplacer les objets, l'environnement. On est là vraiment comme observateur, mais on veut pas. J'ai un dernier outil à vous montrer. Oui. Le petit balai. En fait, le petit balai, ok, on s'en sert souvent pour ne pas briser quand on veut nettoyer, mais c'est beaucoup aussi quand la télévision elle vient sur le site archéologique, parce qu'ils nous disent tout le temps « Hey, si vous pouvez sortir votre petit balai et balayer, parce que la télévision, il aime beaucoup ça. » Mais nous, on utilise souvent les grosses pelles, hein, fait que on les cache quand la télévision vient, parce qu'il faut que ça aille vite aussi, les fouilles. Là. On est capable de fouiller très rapidement. Là. Mais et le puis, petit balai, c'est pour la télévision. Vous, personnellement, monsieur Pépin, quel genre de découverte vous avez fait depuis le début de votre carrière ou la découverte que vous avez préférée, par exemple? Ah, mon Dieu. Écoute, c'est une bonne question. Ça, c'est des questions, je pense, qui sont personnelles pour chaque archéologue. Mm-hmm. Moi, je suis très détaché des objets, okay? Mais ça, c'est ma personnalité. Quand je trouve un objet, tu sais, je veux dire des pointes de projectiles ou des objets, j'en ai trouvé quand même plusieurs, puis il vient un temps où c'est
ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'être humain qui s'est servi de cet objet-là. Oui. Comprenez? Fait que des fois, il y a des objets qu'on trouve qui sont très beaux, mais qui disent pas beaucoup de choses. Mm-hmm. Il y a d'autres objets, parfois, qui sont banal, mais qui peuvent nous informer beaucoup, beaucoup sur les êtres humains. Par exemple, si je trouve une dent d'une personne, ben écoutez, ça peut me dire, hey, est-ce qu'il mangeait bien? Est-ce qu'il était en santé? Quel âge il avait? Juste avec une dent. Et les toutes ces analyses-là... Il y en a qui sont capables de... Vas-y. Pardon. En plus, je pense qu'à la maison, on a quelques problèmes de réseau, mais en tout cas, j'espère que tout le monde qui nous écoute a quand même accès à l'info. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est est-ce que c'est vous, comme archéologue, qui faites les liens, justement, par rapport à la santé de la personne, son âge? Est-ce que c'est votre travail ou bien c'est d'autres professionnels qui vous aident à faire cette analyse-là? En fait, bonne question. Non, pas toujours. En fait, nous, on va demander souvent à d'autres spécialistes qui vont nous dire exactement ces informations-là. Donc, les autres spécialistes, ils vont nous donner plein d'informations. Nous, faut comme qu'on refasse un casse-tête de tout ça. Bon, l'âge de la personne, est-ce qu'il y a des datations au carbone 14? On va tout replacer ça pour essayer de construire l'histoire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens vivaient avec toutes ces informations-là diverses qu'on va aller chercher partout? Est-ce que tu m'entends? Les oiseaux chantent. Est-ce que tu entends? Oui, c'est bien. Donc, encore là, j'imagine que l'accès à la technologie, ben, ça l'aide votre travail à trouver l'information, par exemple, sur Internet, parce qu'on peut pas tout savoir sur toutes les époques passées. Faut quand même avoir accès facilement à l'information, j'imagine. Ben, c'est ça. En fait, nous, c'est un gros travail d'équipe. Les archéologues, ils travaillent jamais seuls. Fait que nous, on va toujours aller voir d'autres spécialistes. On va communiquer beaucoup. On va poser des questions entre nous. Si je trouve un objet spécial, je vais aller demander l'avis de d'autres archéologues. Je vais lire beaucoup de livres. Hein, je vous ai dit qu'il fallait écrire beaucoup en archéologie, mais la lecture, c'est ce qu'on fait après. C'est le deuxième chose qu'on fait le plus. On écrit puis on lit. Préparez-vous. Et puis, est-ce que c'est facile d'aller travailler à l'international comme archéologue? Non, ça se fait beaucoup plus dans le cadre des études universitaires. Donc, okay. Quand vous êtes à l'université, à la maîtrise ou au doctorat, là, vous allez participer à des projets qui sont internationaux. Mais être payé pour aller travailler ailleurs, ça se fait beaucoup moins. Les pays vont engager leurs propres archéologues beaucoup plus. Comme ici au Québec, si j'ai reçu, par exemple, j'ai travaillé dans un musée, puis j'ai reçu beaucoup d'offres des gens qui voulaient travailler, des gens qui venaient d'Europe, mais parce qu'ici, il faut une connaissance, bon, sur les Premières Nations, qui étaient les gens ici, la Nouvelle-France, la période industrielle au Québec, au Canada, fait que ça prend beaucoup d'informations, fait que c'est pour ça qu'on peut pas voyager. Faut vraiment être spécialiste d'un pays ou d'un endroit. Je comprends. Donc, c'est plus, on développe notre expertise, on développe notre spécialité souvent avec notre lieu d'origine, notre culture d'origine. Souvent, c'est... Et puis, on a un peu effleuré la... Il y a beaucoup de jeunes qui me posent la question, là, est-ce que c'est possible de voyager en archéologie? Merci pour la précision. Ah, oui. On a parlé un peu de la formation tantôt. Je me demandais, vous avez mentionné en fait que la formation, ça peut aller, faut faire un baccalauréat en archéologie, ensuite maîtrise, doctorat. Au préalable, les jeunes, c'est sûr que quand on termine le secondaire, il faut rentrer au collégial avec sciences nature, avec
justement là, les sciences ou c'est pas nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pépin? Excellente question. Écoute, je vais être super simple. Okay? Tous les chemins mènent à l'archéologie. Donc, vous pouvez étudier tout. Ça va être utile à l'archéologie. Donc, une personne peut étudier les sciences pures, les mathématiques ou les étudier les sciences naturelles. Par exemple, vous pouvez être vétérinaire et devenir archéologue parce qu'on étudie les animaux aussi en archéologie. Donc, tout va servir, mais principalement, je vous dirais, les études en histoire, en anthropologie, donc l'étude de l'être humain, les cultures, c'est principalement ça que l'archéologue va toucher. Mais tout va être utile. Donc, je comprends que dans une équipe de travail, on touche à plusieurs disciplines, que ce soit l'histoire, la biologie, les mathématiques, les statistiques même, l'anthropologie. Mais, par exemple, dans votre cas, là, que vous détenez le titre d'archéologue, ça prend quoi comme formation spécifiquement? C'est ça. En fait, ça prend... le titre d'archéologue au Québec, c'est beaucoup... Bon, on doit avoir une maîtrise et de l'expérience pour être en mesure d'avoir un permis archéologique de fouille. Donc, okay. Un archéologue, c'est une personne qui va être attestée par le gouvernement pour dire, OK, toi, tu es en droit de faire une fouille archéologique. Donc, il va avoir un permis et le gouvernement va dire, OK, toi, tu es spécialiste de ça, oui, tu as la formation, tu as les connaissances nécessaires, ok, tu as le droit de détruire un patrimoine. Parce que l'archéologue, il détruit un patrimoine quand il fait des fouilles, hein. Faut pas oublier. Donc, il prend pas en note, s'il collecte pas correctement, c'est de l'information qui est perdue. Donc, c'est pour ça qu'un archéologue, c'est quelqu'un qui va être en mesure de dire, ok, moi, je suis capable de faire des fouilles, de diriger des fouilles, de prendre les décisions. Mais ça prend des études. Donc, minimum une maîtrise et de l'expérience dans un domaine qui est plus, bon, les communautés, les Premières Nations, par exemple, ou la Nouvelle-France, ou la période peut-être plus industrielle au Québec, au Canada. Est-ce que c'est un peu... C'est beaucoup d'informations, hein? Oui, ben on réalise surtout que, comme vous dites, il y a pas juste une formation clé pour devenir archéologue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise qu'il y a plusieurs domaines d'études possibles qui peuvent mener à cette carrière-là. Ben, je vous dirais au cégep et baccalauréat, oui. Mais quand vous êtes rendu aux études supérieures, donc maîtrise, doctorat, ça prend vraiment une formation archéologique, donc une maîtrise en archéologie. Il y a, de mémoire, là, 4-5 universités au Québec là, qui peuvent donner cette formation-là. Principalement Québec, l'Université Laval, et Montréal, l'Université de Montréal. C'est les deux principales. Mais il y a aussi Chicoutimi, il y a Rimouski, il y a Mondou. De mémoire, là, CAM, je ne le sais plus, je pense qu'il n'y a plus le programme, mais... plusieurs régions. Super. Oui. Je vais te montrer ça. Est-ce que tu vois bien? En tout cas, non, tu ne vois pas bien. Hein? En tout cas, il y a un tableau qui dit que 80% des archéologues... En fait, il y a eu une seule étude sur l'archéologie au Québec. Ça date de 2000... dans une revue qui est super belle, ça s'appelle Archéologique, une revue québécoise d'archéologie. C'est superbe. Puis c'est 2006, je crois, ou 2010, pardon. 80% des archéologues sont formés en archéologie au Québec. OK. Puis, Donc, c'est quand même des études, des études assez longues. Ça prend un diplôme d'études. Est-ce que je parle trop vite?
Non, ça va. On a seulement quelques peut-être problèmes de réseau, mais je crois que ça va bien pour l'ensemble. Donc, c'est ça. Pour les jeunes qui nous écoutent, en fait, il faut terminer son secondaire, il faut aller au collégial, ensuite un baccalauréat dans le domaine qui t'intéresse, l'histoire, la biologie, et ensuite, on continue au deuxième cycle. Donc, maîtrise en archéologie et doctorat en archéologie pour détenir le titre Bingo. Et exercer là, comme archéologue. Bingo. Très bien. Vous pouvez même étudier la musique et aller en archéologie parce que ils faisaient de la musique dans la préhistoire. Les gens ont tout le temps fait de la musique. Donc, on peut étudier les objets de musique en archéologie. C'est un courant qui a pas été fait beaucoup. Tout est possible. Je vois le temps qui file, ça passe super vite. On pourrait peut-être revenir sur le petit quiz que vous avez proposé tantôt. Moi, rapidement, comme ça, je pense que un outil qui est essentiel quand on s'en va en fouille, ça peut être justement le calepin de notes. C'est important d'avoir des traces de ce que l'on trouve. Ah, est-ce qu'il y a d'autres gens qui disent la même chose, tu penses? Ben, en direct, je vois pas les réponses, mais okay. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Ben, écoute, tu serais une très bonne archéologue, je pense. Je pense que tu serais une très bonne archéologue parce que ça, c'est les deux objets les plus importants pour faire de l'archéologie. Donc, je pense qu'on peut tous être archéologue un peu quand on prend des notes, quand on observe avec nos yeux, quand on se pose des questions. Mm-hmm. C'est ça l'archéologie au départ. Puis selon vous, M. Pépin, en terminant, ça serait quoi vos meilleurs conseils pour les jeunes qui s'intéressent à cette profession-là? Les meilleurs conseils? Lire beaucoup, puis faire ce qu'on aime au départ, parce que l'archéologie, ça peut être très difficile. C'est pas un métier qui paye beaucoup, c'est un métier qui a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de jeunes archéologues en ce moment qui ils sont en train de former un syndicat. Là. En ce moment, ils ont parti, ça fait quelques semaines, quelques mois. Il y a un syndicat qui s'est formé. Mais étudiez aussi, pensez à votre futur aussi, dans le sens, faites ce que vous aimez au départ. Puis l'archéologie, c'est toujours possible. Hein, puis ça peut venir après aussi, mais c'est un métier qui paye pas beaucoup. C'est très difficile physiquement. Puis il y a pas beaucoup d'assurance pour l'avenir. Il n'y a pas beaucoup d'assurance, mais quand même, c'est une profession qui est très intéressante. Puis on a des découvertes comme ça à l'infini. Faut rester curieux et déterminé si on veut faire carrière dans ce domaine-là. Il y a toujours moyen de se passionner et d'aller plus loin. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des emplois là-dedans. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup, M. Pépin, pour votre temps aujourd'hui. J'espère que ça a pu éclairer les jeunes à la maison par rapport à la profession d'archéologue, profession dont on n'entend pas nécessairement parler régulièrement. Donc, je vous remercie, les jeunes, d'avoir été connectés avec nous, d'avoir pris les moyens concrets pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Et M. Pépin, encore une fois, bien, merci pour votre temps. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous. Ça fait plaisir. Bonne journée.